Hey, salut à tous, bienvenue pour ce 25e épisode sur Watch Dogs 2. Je vais y arriver, waouh. Faut le temps de se réveiller un peu. Alors, l'écran il veut toujours pas. Il fait des siennes aussi. C'est pas grave, voilà. Alors, télécharger les dossiers sur le serveur. Easy game. On va aller télécharger ces dossiers. Alors c'était con encore de les lire ici. On va aller faire okay, ça. Je me dirige vers la salle des serveurs. Normalement, tu devrais pouvoir monter jusqu'au serveur de données. Fais juste gaffe aux alarmes, aux lasers et aux mecs armés. Ah, rien que ça. Pas de soucis. Voilà, alors. Voilà. Alors les alarmes. On a le temps. J'aurais même pu monter en fait. Alors, je devrais passer là-bas derrière. Voilà, ça c'est fait. On va le faire aller jusque là et après on va le faire péter ce machin. Voilà. On va déverrouiller ça. Ah merde, y'a un mec là. Partir à volonté. On y va. On va attendre, hein. On a l'air un peu chaud là, les mecs. On va attendre, on va attendre. On a le temps. On a le temps. C'est qu'une question de temps avant que l'autre arrive. Voilà. Je m'en doutais, il va me voir, non? Non. Ah là je vais me faire griller non? Lui, quand il passe, je le shoot. Je le chope à mort.
Voilà. Nous y sommes. On télécharge les données et puis on se casse. Ok Ray, j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais, c'est pas rien. Ça va prendre un temps fou à analyser. Normalement, t'es pas loin d'un ascenseur privé dans le bureau de la PDG. Mon plan indique pas où il mène, ce qui signifie que c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, là je sais pas comment je vais faire pour monter. J'ai aucune idée. Bon, je vois que sur la gauche, sur le plan, il y a l'air d'avoir un escalier. Donc... Non, je me rendrai pas. On va faire ça et on va l'appeler lui. On va le désactiver. Voilà. On va les laisser parce que ça devient un peu la merde ici. Il y a beaucoup trop de monde. Les escaliers, voilà. On va monter. On va encore monter. Et on sera bon normalement. Voilà. Et ben voilà. Ah, j'ai cru qu'il y avait un mec. Ce bureau. Elle a même carrément un ascenseur privé. Et voilà, j'y suis, enfin. Descente. Marcus, deux mots sur les données que tu m'as envoyées. Apparemment, le plan sur 10 ans de Tylis est élaboré dans un labo prototype. Ok, on va voir ce qu'il cache au moins 6. Et tu fais tout péter! Ce que Wrench essaie de dire, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve des preuves qui montrent que Tydis s'est mêlé à des trucs pas clairs. Ouais, techniquement, dit comme ça, c'est mieux.
Alors, ici, atteindre l'ascenseur des labos, c'est fait. Je suis étonné qu'il n'y a pas plus de sécurité ici. Enfin, on va pas se plaindre, hein, mais... Ok, je suis dans un abri anti-atomique de la taille d'un parking souterrain. Vous avez rien d'autre sur les labos? Tu vas te retrouver devant une énorme porte métallique. Mais j'ai pas la moindre idée de ce que tu trouveras derrière. On verra quand j'y serai. Bon, ça sent le hacking à plein nez. Les capacités offensives de nos robots de surveillance actuelle soient limitées. Nous projetons de les améliorer afin qu'ils puissent avoir un rôle beaucoup plus actif dans les zones de conflit au cours des années à venir. Ok. Nous testons actuellement leur résistance aux dégâts en situation de contrôle des foules. Des négociations sont également en cours avec Galilée afin de développer des modèles spéciaux pour leur programme spatial. Ok. On va un peu voir tout ce qui se fait ici, à mon avis. Au cours des deux prochaines années, Tidys commencera les tests sur le terrain des capacités offensives et défensives de nos robots, autant dans le cadre domestique que militaire. Dotés d'une précision exceptionnelle et de réflexes inégalés, nos robots représenteront une alternative plus sûre aux soldats et aux forces de sécurité. Ok. Et le troisième, c'est quoi encore? De toute façon, c'est des robots à vocation militaire. Quoi qu'on fasse, à mon avis, on va tout faire péter. Sur le long terme, vise à doter nos robots d'un blindage capable de résister aux attaques balistiques les plus puissantes. Et cela en situation de combat. Dans le cadre de la sécurité intérieure, ces nouveaux modèles seront en mesure de résister avec facilité à des attaques impliquant projectiles de petite taille, cocktails Molotov et autres armes improvisées. Ok, d'accord, ils sont bien. Bon, normalement, je peux passer, c'est ça? Non. Les gars, j'ai enregistré tout un tas de trucs, avec des robots dans tous les sens. Vous allez pas le croire. C'est exploitable pour nos vidéos? Tidys et Bloom veulent implanter le CityOS dans des robots armés et s'en servir contre des civils. Ça vous rappelle rien? Ouais, ça recommence. Ça recommence, quoi, ouais, comme disait l'autre. Fourrer des big data dans les machines de guerre, c'était le rêve des premiers ingénieurs de Bloom à l'époque où on planchait sur le CityOS. J'ai tout fait pour que le projet soit enterré, mais je savais que ça ressortirait un jour. Ouais, je comprends pourquoi t'es autant motivé. Ouais, j'avais déjà quelques soupçons, mais là, on a de quoi les griller. Allez, Marcus, sors de là. Deux secondes, j'ai encore un truc à voir, je vous tiens au courant. Voilà. Alors, ici. Est-ce qu'on a besoin de ce câble-là? Oui, on a besoin de ce câble-là. Un jour, j'ai rêvé que j'avais ce câble-là. Est-ce que ce jour est arrivé? Oui. J'allais dire, tu m'expliques parce que là... Et ce côté-ci doit être... Ouais. Voilà. Tiens. Pourquoi c'est pas activé ici? Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà. Et c'est parti. On peut enfin rentrer. Il était temps. Et à mon avis, on va faire sauter tous les prototypes. Arme activée. What? Oh putain! Les gars, c'est ouf! Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh punaise. Mortel! Putain! Une arme. Non mais pourquoi c'est toujours lui qui a droit à tous les jouets? Bon, on va voir ce que c'est, hein. Grosse araignée, à mon avis, qui a des armes.
système activé. Ah, ça c'est bon ça. Ah, je vais tout faire péter sa race. Oh, c'est bon ça. Ok, je crois que la grosse bestiole est prête. Faut juste lui faire passer les portes de sécurité. Des idées ? Écoute-moi, si tu désactives le système anti-incendie, ça ouvrira les portes. Je vais essayer. Oh, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Bon par contre c'est un peu chaud. Ah non, je dois faire ça. Franchement ils étaient pas obligés. Bon bah, tant pis, ça aussi j'étais pas obligé hein. Franchement c'est juste pour le plaisir ça. Alors, le poteau là. Voilà. Hop là. Et de 1. Et à mon avis, le dernier est là-bas. Oh, oh, doucement. T'imagines, t'as ça dans la vraie vie. Increvable le machin. Regarde. Ah, ou pas, en fait. Ça a marché. Je me dirige vers les prototypes. On a un problème. La porte qui mène au serveur de secours est toujours fermée. Je m'en occupe. T'as qu'à détruire les prototypes pendant que je m'occupe de la porte. Je compte sur toi, mon pote. Hey, ils commencent à me saouler, eux. L'unité fonctionnelle à 25%. On va essayer de courir, hein, parce que j'ai plus beaucoup de vie. Alors, je sais pas s'il faut réparer. L'unité fonctionnelle à 50%. Ah bah voilà, ok. Total recall ici. T'es où toi? Monte ta sale tronche. Ah ouais. Et de 1. Ou de 2, c'est au choix. Bon, moi ça me va. Attends, je peux tout casser. Eh bien. Bon, on va passer par au-dessus, c'est pas grave. Hop là, regardez. Il est où le problème? À gauche, il y a un mec. Aïe, à droite aussi, il y en avait. Voilà. Là, on a bien foutu le bordel. C'est bon. La porte est ouverte. En principe, merci. Il devrait y avoir un ascenseur. Débrouille-toi pour accéder au serveur de secours, au niveau moins 3. Un ascenseur? Pourquoi faire? Pense juste à tout bien exploser comme il faut. C'est ça. Casse tout, comme il faut. Ok. On va courir, hein. Ou pas. Il y a peut-être encore des mecs. Hein. Bon, il y en a ici. Je l'entends, j'entends. Aïe, 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 attention de pas crever. Détruire les labos? Quel labo? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, voilà, ok. La cage d'escalier, le niveau 3. Nous y sommes. Là, ils ont craqué un peu quand même.
parler après. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Arme de l'unité en surchauffe. D'accord. C'est où l'objectif là? Je vois pas grand chose. Pour moi, mon objectif était ici. Je vois plus rien ici. Et du coup, j'ai plus l'impression que c'est ça. Par où l'objectif? Ah, ça c'est lourd par contre les mecs. Vraiment. Ah. Bon bah voilà, j'ai tout pété. C'est le moment où je dois me casser, hein, parce que normalement j'ai tout le monde à mes trousses. Hey. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je sais pas. Je gagne pas assez pour le savoir. Bonne chance. Merde. Yo, Marcus, faut absolument que tu vois ça. C'est ni plus ni moins que du porno pour ingénieur. Attends, apprentissage artificiel, nanotechnologie, railgun, mortel. Je savais que ça vous plairait. Quoi, c'est un cadeau? Ouais, ouais. Putain, ouais. T'es comme le Père Noël, mais en plus crade et moins gentil. Ho, 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 joyeux Noël, monde de petits cons. Eh, vous êtes prêts? Sitara va publier la vidéo. Comparé à d'autres géants de la Silicon Valley, Tidys passe inaperçu. On entend très peu parler d'eux dans les médias. Ils opèrent à huis clos, bien à l'abri des regards indiscrets. TedSec a mené l'enquête, et les résultats sont alarmants. Tidys se sert de vos impôts pour financer des machines de guerre. Aujourd'hui, un prototype de combat a saccagé leur propre complexe, ce qui prouve son potentiel destructeur. D'ici 10 ans, ces machines seront déployées sur le sol américain. Si vous ne vous manifestez pas dès maintenant, ils construiront une armée pour vous faire taire et vous forcer à obéir. Tidys s'est associé à Bloom pour s'autoriser l'accès au City West. Et Bloom a vendu vos données personnelles et s'en servira contre vous si ce projet n'est pas avorté. Nous ne resterons pas sans rien faire. TedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Allez, on va vite regarder ce que t'as là-dedans. Avant que tu colles toutes les pages. Eh, hey, moi je vous retrouve tout à l'heure. Ok, à plus. Ok, mission accomplie. On va se casser. Même ma copine, elle est à fond. Ça dit que je suis un dinosaure. Presque. Dommage. Bon, c'est pas grave. Ça va être la prochaine mission. On a de très mauvaises nouvelles. Est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce qui se passe? Marcus, tu passes en boucle aux infos. La CIA t'a mis dans sa liste des personnes les plus recherchées. Attends, ah bah ça va. Va falloir te faire oublier, amigo. Hé hey. Alors, attention, c'est où la suite des événements là? À mon avis, je vais devoir aller trouver les autres. Secondaire, principe.
pas le gros lot. Voilà, au hackerspace. On va se TP, hein. Voilà, hackerspace, c'est fait. On va voir ce qu'il en retourne. Ah, WKZ. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer si la société Invite et l'ancien membre du Congrès Mark Truss ont réellement tenté d'influencer illégalement les élections du Congrès. Des preuves de leur manipulation ont été mises au jour par le groupe de hackers controversé DeadSec. Les élections ont par conséquent été repoussées à une date ultérieure. Je crois pas que Dushan se pointe chez Tidys. C'est trop dommage. Eux qui avaient tellement investi dans cette présentation. Eh ouais, encore une histoire d'amour de la Silicon Valley qui finit mal. Oh, tu me brises le cœur. Je viens même de verser une petite larme. Non, plus sérieusement. On vient de tuer dans l'œuf un partenariat sur 10 ans. Et la plus grande opportunité pour Bloom d'associer les flics au CityOS grâce à leur... Je sais même pas. Ils comptent inventer quoi, en fait? Des chars policiers robots araignées géants. Arrête, c'était pas un concept sérieux, ça. Je te jure, véridique. Bon, allez, on va voir tout de suite ce qui s'y passe. Quoi, c'est en haut? C'est en haut, ah non. On va aller voir ça, hein. Tant pis. On monte. Et on se tape. La porte à code. Voilà. Alors, on va démarrer la mission. On va voir ce qu'on peut faire. C'est... Ah, ceci est la mission finale du jeu. Ah, bon. Eh bien, pas tout de suite. Et on va se laisser là pour cet épisode, on va lancer directement après la suite et la fin de ce Let's Play sur Watch Dogs 2. D'ici là, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Merci à tous, bye bye.